Bonsoir tout le monde, c'est toujours un plaisir pour entrer la caillou et présenter au journal Mi-temps Journée sur télévision nationale d'Haïti. Pourquoi elle est là? C'est le moment pour nous accueillir le collaborateur Wilner Polidor pour conditions météorologiques Journée. Mardi 13 mars 2018, c'est un plaisir pour nous ensemble pour prévision météorologique Journée. On a comment la situation est sous bassin Caraïbes là. Nous avons une zone de haute pression qui toujours a maintenu autant venteux sous pays d'Haïti. Mais nous avons vraiment fond froid ça qui trouvait lui sous Cuba et il a commencé à concerner nous à partir de Asua parce que l'a trouvé lui vraiment sous pointe est Cuba et à l'avant de fond on a commencé à gagner quelques activités rapides. On a un temps sensible là pour aujourd'hui, c'est un temps qui pratiquement ensoleillé avec vent au cours de journée mais il y a possibilité pour gagner quelques averses rapides en soirée si tout sous région dans pays d'Haïti par rapport avec fond ça qui a décalé et qui est capable de commencer bah, nous quelques activités de la pluie, mais c'est la plus faible qui a gagné sous la région nord pays d'Haïti, surtout vers le nord-ouest. Pour capitale avec zone qui environ son capitale qui a joué de beau temps, vent avec soleil en journée, et en soirée, il y a possibilité pour gagner quelques petits lapis, mais c'est la plus isolée qui a gagné sous capitale là avec zone qui environ est lieu. Nabro température qui a monté jusqu'à 34 degrés pour aujourd'hui, ça veut dire qu'il a fait très chaud au cours de journée et pendant la nuit de la voile finie, la descend jusqu'à 20 degrés Celsius. Pour la mer, c'est une mer qui agite sous côte sud pays d'Haïti, Jean-Noël sous Katsa, mais Golfe de la Gonave et région nord, c'est peu agité à agiter. C'est pour ça que nous demandons capitaine Yo une petite précaution dans la côte sud pays d'Haïti. Et pour page astronomique, là, soyez là, à coucher jeudi à 6h59 et la levé demain matin à 7h00. C'est tout ça que nous avons pour la situation météorologique. Là. Merci pour fidélité avec attention. Nous allons croiser demain pour notre page météorologique. Et on remercie à Wilner Polidor l'autre information dans le journal ça. Président public là, Jovenel Moïse en fait une visite en supervision samedi 10 mars 2018 là dans construction un barrage hydroélectrique sur rivière Marion qui trouvait dans nord-est pays là. Barrage ça en fait sous expertise technicien Ibé ak haïtien. C'est un des plus gros barrages en pays après gain après Peli qui était construit depuis sous président du Marseille estimé. Nous invitons à suivre un reportage Sabine Jean-Étienne avec Jean-Naël Duvernay à présenter nous. Barrage hydroélectrique ça cap construit sous rivière Marion en pral desservi plusieurs communes ak localité dans département nord-est là tant kou Malfetti, La Cule Samedi, Grand Bassin, Savane Carré ak l'autre encore. L'a rempli trois fonctions en même temps. L'a distribué courant électrique, l'a permettre moun yo joindre de l'eau potable dans robinet yo et puis l'a arrosé plusieurs plantations pour agriculteurs yo dans département ça. Jodi a moi que rêve nous te gen pour Haïti a, il commencé concrétiser. Parce que je dis, nous sortons dans la parole, nous tombons dans l'action qu'on a. Jean-Président a toujours dit dans la campagne là, eh bien, je dis, nous voyons que dans un an, eh bien, le président a commencé à réaliser le rêve. Ça, c'est son rêve. Regardez le grand espace, quand le matériel qu'il a pour venir faire travailler ça ici dans Marion, le côté pays n'a pas même qu'on est. Mais avec le président Jovenel, eh bien, Livigny avait là, il dit, il pourrait doter le pays de une deuxième centrale hydroélectrique qui pourrait jouer deux rôles. Non seulement, bail courant, j'en ai pour mettre actuellement, il y a 17 mois, et puis encore permettre que les paysans trouvent de l'eau pour les terres. Quelques ouvriers sous chantier a expliqué, depuis même avant, il était dans tête pays, le président Jovenel Moïse a fait plusieurs démarches pour qui Jean, Rivière Marion, a servi le département nord-est là. Jounen jodi a, chef l'État pense travail doit avancer plus rapide pour permettre population à bénéficier de tout avantage qui gagne dans rivière ça. La République dominicaine gagne presque 7 milliards de mètres cubes d'eau presque qui conservé dans le pays. Mais dans quelle époque que vous avez commencé à travailler ça? Ça a peut-être 20 ans. Cuba te barre en pile coup. On dit 30 ans. C'est même expert cubain ça. Non, coopération cubaine aujourd'hui. Non seulement Cuba a besoin de coopération dans l'éducation, dans la médecine, mais aujourd'hui, dans l'agriculture, nous choisissons de partir ça. Ça qui est la rétention de l'eau. Pour l'heure, nous avons une période de sécheresse pour nous causer terre.
Nous avons près d'une douzaine d'ingénieurs cubains spécialistes qui accompagnent de laboratoire national. Toute étude géotechnique, géophysique, c'est nous-mêmes qui faisons. C'est le laboratoire national pays d'Haïti qui fait. Et nous accompagnons d'autres ingénieurs haïtiens qui sont ensemble avec nous tous, ensemble avec Cubains. Ce sont équipes de techniciens solides. Ce sont de grands experts qui viennent là. Ça veut dire barrage ça, étude géotechnique et géophysique vous faites. Laboratoire national fait forage sous presque 27 puits, ministre. 27 puits pour faire étude pour dire que barrage est possible pour barrage ça. Fait. Barrage hydroélectrique sous rivière Marion, c'est le plus gros barrage Haïti pour aller après Pélig qui était construit depuis sous président du Marseille estimé, ça a gagné 72 l'année. Technicien pour l'installer tout, il y a un réservoir qui gagne capacité 10 millions de mètres cubes à qui une station pompage qui a fonctionné grâce à l'énergie soleil là. Merci Sabine et Jean-Naël. Président commission frontalier avec défense nationale là, député circonscription Saint-Pitla, Pierre Bélange, lancé un SOS by gouvernement pour faire intervention sur une situation difficile qui a développé sous frontière dans la zone en Saint-Pitre et Pédernal. Dominicain a couru des Haïtiens qui vivent dans la zone Sayo, une situation qui arrivait à cause d'un Haïtien tatoué un couple dominicain. Situation ça a provoqué un gros panique dans la région 1, côté de plusieurs Haïtiens qui déjà victimes. Il y a un extrait dans le micro Fédéral Confident avec Moïse Wilwitch. Situation ça a commencé depuis matin après un enterrement d'un dominicain qui mourit hier soir, mais c'est face avec un tentative d'assassinat que yon haïtien te gagné contre et dominicain. Donc il faut dire bien que Marie dominicaine nan te gen tan mouri et dominicaine nan ta l'hôpital lui-même, li mouri hier et yon enterré le jodi a. Donc tout de suite après enterrement, gros soulèvement qui fait. Et soulèvement ça a suscité yon panique générale dans toute ligne frontalière, là, pour ne pas dire dans toute la bande frontalière haïtienne, mais dans toute ligne frontalière de commune en Saint-Pitre là. Donc, c'est de Saint-Pitre à Mont-Vincent. Donc, tout le monde s'est demandé pour que vous quittiez le territoire, là, pour que vous quittiez Peldenales et dans 24 heures. Et il faut dire que vous commencez par battre traitement, vos vieux traitements, vous commencez à battre haïtien. Gen moun ki gen yeux pété, gen moun ki gen dents arrachées. Donc c'est des témoignages que m'gagne de sources bien en fait informées. Donc ça c'est pour dire que nan moment n'a parlé là, gon situation panique ki gagne, fait tout parler avec magistrat communal là et en pile l'autre moun parler avec un agent consulaire qui nan antenne pédérale là tout, li même tout li dit li obligé mettre là à l'abri. Donc c'est pour m'te dire avec gouvernement haïtien. Nous connaît leur genre de situation ça k'ap développer. Nous allons parler de rapport de force, mais c'est pour nous parler sur le plan diplomatique pour nous garder rapidement qui ça qu'a fait. Donc moi parler avec le ministre défense là matin, il dit que lui-même tout de son côté il va regarder avec le ministre et affaires étrangères. Moi le ministre affaires étrangères m'a joindre. Donc moi les députés qui c'est président commission affaires étrangères, c'est justement pour nous mobiliser toute une batterie permettre que gouvernement lui-même le plus rapidement possible et sur le plan diplomatique garder avec chancelier haïtien qui l'autre bois chancelier dominicain pour nous regarder qui ça qu'a fait parce que yo même t'a dit que ça pral passer après 24 heures ça pral passer il y a comparable avec ça qui t'est passé en 1937 sous Tourilio et que ça nous pas ta jambe souhaité. Président commission affaires étrangères à Kilton dans Sénat, sénateur Naoum Marcellus, dit yo au courant des situations compatriotes haïtiens yo dans pays Chili. Gagne un nouveau accord gouvernement chilien en pral adopté sous question immigration d'après parlementaire. Ministre affaires étrangères Antonio Rodriguez qui trouvait dans pays Chili qui a participé dans installation nouveau président a bien pour prendre connaissance nouveau accord ça. Commission Affaires étrangères Sénat vient pour discuter avec autorité yo pour joindre une solution sous accord immigration Chili. Il y a extrait toujours dans micro Fédéral Confident avec Moïse Wilwitch. Commission Affaires étrangères Sénat li touché par situation qui est passée dans le niveau Chili. Cependant, demain si Dieu veut, le ministre Affaires étrangères a supposé aller Chili et pour participer dans l'investiture président cap compter là. Donc noter point toute information nécessaire sur situation haïtien qui en mauvaise situation au niveau Chili. Dans niveau
chancellerie, ils ont même été pris toute disposition pour assister dans la mesure que sont capables haïtiens qui ont difficulté dans le niveau Chili. Le gouvernement chilien a proposé un nouveau accord migratoire que, qui prend défini parce que ces deux mes chanceliers sont partis pour prendre connaissance de lui. Donc, d'abord, il pour nous donner plus d'informations à ce sujet. Ça peut nous tenir compte de lui. Nous avons un problème structurel là. Et tout haïtien, quitte ou grand, quitte ou malheureux, quelle que soit l'appartenance politique et sociale, nous avons pour devoir pour nous construire le pays. Donc, si il y a un problème là, c'est normal. Si il n'y a pas de sécurité, si il n'y a pas de stabilité, pas de croissance. Si il n'y a pas de stabilité économique, il n'y a pas de pile monde qui a quitté le pays. Donc, c'est pour une solution ça. C'est garder pour nous garder comment pour nous construire nous d'abord et pour permettre que nous rassurer jeunes yo priorité la caillou. Le dossier dans le journal ça ministre intérieur collectivité territoriale la Max Rodolphe Saint-Albin distribué vendredi 9 mars là 116 motos by conseil administration section communale dans Grand Sud là. Kazek dans section communale là qui dans département Sud recevra 69 motos et puis Kazek Grand Dans rejoint 47 Johnny Arbi Casseus dans rencontre rendu. Moto ça yo pour permettre membre conseil administration section communale Sud à Grand Dans gain moyen déplacement là yo pour faire travail yo dans communauté yo. Moto a cap disponible dans bureau Kazek yo doit servir comme outil travail pour communauté a selon ministre intérieur et collectivité territoriale yo docteur Max Rudolph Saint-Albin. D'après ministre, distribution moto sa yo rentre dans cadre travail l'état central là tant mais pour permettre collectivité territoriale yo vini grand monde tête yo. Merci à toute autorité locale. Merci à collègue ministre moyo dans gouvernement qui t'a facilité achat moto sa yo dans un délai qui pas trop long. Le 30 décembre à jeudi, ça prend au moins plus que 2 mois. Pour nous qu'aider pour l'ex-président, pour nous rendre collectivité plus proche, plus accessible. Accessibilité, ça a commencé dans le même cas moyen pour nous déplacer dans toute la section. Parler avec la communauté. Fourniger, nous garder comment la section a marché. Une façon pour nous faire bonjour planification pour bien-être de la population. Membre conseil administration section communale yo bat bravo pour geste ça. Yo souhaite gouvernement continuer travail pour répondre à tout besoin collectivité territoriale yo. Moi même nan non kazek yo, moi mande yo pour transmettre message ça vers le président de la République pour dire pour nous merci. Parce que jodi a ça nous te planifié nan promesse qui te fait kazek yo, jodi a rivi commencer réaliser pour mes ça moi-même en tant que président de la Fédération nationale qui mandaté sur tout 10 départements moi dit président dans notre cas que je commence à dire merci moto acheté moto bail moto acheté moto bail nous pas jamais besoin fois ça nous joignons nous ne pas satisfait sur max ou leur sur non mais au moins section communale là dotée de nous outils qui va permettre nos fonds de déplacement, même si ce n'est pas trop loin, dans notre cas, et que nous remercions pour ça. Après membre conseil administration, section communale sud à Gredens, c'est pas tout pas, Kazek Nord à Knodesio, pour recevoir Clé Motoyo, selon le ministre intérieur à collectivité territoriale, Max Rudolph Saint-Albin. Toujours sous même dossier ça, ministère intérieur collectivité territoriale MICT distribué plusieurs motocyclettes dans le département l'Ouest Baïli dans la section communale. Distribution ça rentré dans quatre promesses, président public la Jovenel Moïse te fait avec autorité dans la collectivité territoriale. Rodney dans un compte rendu. Après le département Sud à Grandes PIA, chaque casek section communale dans le département l'Ouest recevra lundi 12 mars la yon motocyclette. Matériel ça pour permettre travail et dans la collectivité territoriale yo fait pi bien. Je commence déjà dans le département sud, je fais la grandance. Pas pour qui les gens vont continuer son promesse pour me faire me remettre personnellement. Moi-même, dans 10 départements, je moto à chaque case. Parce que c'est un engagement que le président de la République a pris. C'est un engagement que l'administration Moïse a pris en prend.
son engagement que le gouvernement auquel m'a appartenu prend, son engagement que serviteur fait de promesses là, que le président a été pris en décembre dernier pour lui matérialiser. Et c'est ça qui fait que c'est nous-mêmes qui connaissons en dedans. Équipe là, cabinet, équipe MICT, direction collectivité territoriale, FENACA, bonne FENACA, 10 présidents d'association départementale, président FENACA, c'est nous-mêmes qui connaissons misère que nous passons pour que ça réalise, pour que promesse ça qui te prend en décembre, pour que matérialise plus de 2 mois après. Développement, renforcement section communale que nous-mêmes nous représentons. Je dis, et ça fait, ça cérémonie qui va faite là, je dis, c'est très symbolique, qui a une importance fondamentale. Parce que je dis, nous allons procéder tout bon à distribution et remise de clés à Kazek. Et ma note, moto ça, c'est moto travail nous dit. C'est moto collectivité allié. C'est moto prend soin, pas craser, faire le travail dans l'intérêt population. Réalisation projet ça, c'est résultat Chita Palé qui était fait dans la date 30 décembre 2017 là. Entre responsable FENACAO et président République là, Jovenel Moïse, qui honoré promesse à travers ministère intérieur et collectivité territoriale. Je dis à des promesses qui fait dans la collectivité, c'est un grand montage financier historique des bagages qui pas jamais fait. Qu'a fait là, de conseil avec le ministre des Finances, de conseil avec la Banque République d'Haïti et des banques privées, alors je dis des banques d'État, ok, vous voulez citer BNC précisément, pour intérêt collectivité, pour que des grands engagements, des gros promesses que le président de la République a fait prendre envers la collectivité, que vous renforcez, que vous gagnez. Section communale dans le département Sud, Grand'Anse et l'Ouest déjà recevoir motocyclette Payo. Département Nord, Nord-Est, a bien pour recevoir même matériel sa yo pendant semaine ça. Merci Rodney et Robert. L'autre nouvelle, un service technique et opérationnel pour pallier aux accidents, stop accident, remettre lundi 12 mars là, prix personnalité, sécurité routière, mois février, by Eric Jean-Baptiste. Dans ce sens, responsable stop accident, yon en cadre yon cérémonie, remettre en plaque honneur et mérite pour encourager contribution Eric Jean-Baptiste dans l'aide pour faire prévention accident dans voie publique là. Yon extrait coordonnateur national stop accident, docteur Gentifis Exalus, pour plus précision, dans le micro TNH. HMN est gros investisseur qui sont en arrière pour venir bâtir en Haïti, pour venir investir en Haïti pour nous faire, pour nous mettre travail, pour nous mettre payer, camper champ supposé financièrement. Mais pendant ce temps que nous venons faire ça, à Astrid Fidelate, ouais, on a besoin, parce qu'en pile, on n'a pas qu'à payer pour médical, en pile, on a en attention, en pile, on a besoin d'aide santé, psychologie. Alors, pendant ce temps, pendant que nous investissons pour que ça nous fasse un médical mission, so nous les contacter. Stony Brook Medical, et puis pendant qu'on l'a acté, il a dit très bien, on a fait, mais nous mettons ensemble, nous demandons des mêmes investisseurs, nous demandons le COP, de quoi pour capable de nous faire, et puis nous faire gratuit pour nous. C'est le premier jour émission. Ça n'a fait, nous parlons plusieurs de l'autre côté, nous parlons en province, dans l'autre town qui besoin, côté nous besoin. Ça que nous choisissons, citer, c'est Dr. Samedi, comme lui-même, c'est ici, il dit, besoin c'est la masse population hein, qui pas capable de payer pour médicaments, qui pas capable de payer pour soins médicaux. Alors il dit on commence là pour nous. Ouais. Effectivement, vous êtes très successful parce que nous paraît que tu es dans 70 personnes qui avaient déjà déjà et nous pour même annoncer nous. C'est qu'on y a nous venons comme ça. Oh, nous gain ophtalmologiste, interniste, cardiologue, OBSGYN, nous avons gériatrique qui fait nécrologie, néphrologie, à nous avons des médecins qui participent. Grâce à, comme je dis ça, grâce à Dr. Emmanuel Samedi, un jeune médecin, et que sous garde, il a un petit monde de 12 ans, qui mettait tout coquin jeune médecin ensemble. Moi, je viens de voir qu'on demande, on a besoin qui ont pour moi sont épidémiques que lié dans pays hein, parce que près de 90 si pas plus que 90 10% haïtiens a souffri de problèmes dents
et de problèmes gencives. Et si bouche n'est pas en santé, il est impossible que croire en santé. Donc, là, nous avons une population qui est malade. Donc, l'intervention ça cap fait jeudi, hein, c'est avec et Mme Astrid Fidelia, ça c'est notre compatriote, qui font décision que le pas arrête l'autre bois pour garder le pays, souffrir comme ça, que Folvin fait intervention parler. So, aujourd'hui, hein, semaine ça, il est là avec un groupe qui sortit Stony Brook Université, qui est Long Island, New York. Et seul genre qui est capable de changer, on bagaille n'importe côté, Folvin fait étude. Donc c'est comme si c'est la première fois que y a vienne faire ça ici non puis même yo ka étudier sujet yo même puis ouais qui ça que prochaine fois puis yo porter qui gens que yo pral et bâti en infrastructure qui on bagaille cap kembe. Personnalité sécurité routière pour Stop Accident Eric Jean-Baptiste salue initiative ça Stop Accident prend pour encourager quelques citoyens qui mettent main dans l'île pour éviter accident machine. Eric Jean-Baptiste promet la continuer partenariat ça avec Stop Accident. Nous invitons à suivre un bout de notre déclaration. Pour bagaille qui manque moi dans cérémonie ça c'est que moi ouais c'est une association qui gagne pile médecin là-dedans. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que nous-mêmes, comme docteurs, nous sommes vraiment bien placés pour nous connaître en pleurs dégâts qui ont fait dans l'accident de la route. Nous-mêmes, dans la Fondation Éric Jean-Baptiste, c'est l'engagement citoyen que nous avons toujours gagné envers la société. Et nous sommes contents, je dis, que le travail que nous avons fait, mais il y a des gens qui voyagent sous lit. Nous-mêmes, médecins, nous avons expliqué que nous sommes bien placés pour nous connaître la quantité de dégâts que l'accident de la route a causé ici en Haïti. En attendant, nous disons bravo à Stop Accident des jeunes médecins. Nous pensons que faut que nous continuions sur le même lancer ça. Fondation Jean-Baptiste a content fait partenariat ensemble avec nous pour nous continuer à faire sensibilisation, pour nous continuer à faire mobilisation de telle sorte que prévention accident, c'est un bagage qui est capable de faire. Association pour promotion famille haïtienne Profamil célébré mardi 13 mars la journée mondiale vasectomie. Dans l'occasion, responsable Profamil a organisé à lundi une journée information sur importance méthode contraception qui est efficace en pile d'après les spécialistes. Nous invitons à suivre le reportage. Ces méthodes qui peuvent assurer à côté comprimé à capote pour tout garçon qui peut continuer à faire petite. Vasectomie, c'est une intervention chirurgicale qui permet de couper le canal qui porte spermatozoïde la caille garçon. C'est un processus qui dure 10 minutes et qui n'a pas effet secondaire sur la santé sexuelle garçon qui fait vasectomie, d'après experts en planification familiale. C'est une opération qui empêche les spermatozoïdes de monter dans le liquide spermatique là, qui fait que les garçons en relation sexuelle éjaculée, ça l'éjaculé fait que fille pas qu'à tomber enceinte encore. C'est une opération que l'offre fait ou fait net ou pas qu'à tourner derrière, c'est une méthode retenette pour garçons. Il y a deux avantages. L'offre fait ou gagne moins effet secondaire par rapport à la fille et ou pas gagner aucun problème dans vie de couple ou vie sexuelle ou encore. Et c'est très important pour nous dire ça. Risque yo lié avec tout risque qui gagne qui lié avec une chirurgie. Pas oublier, c'est une petite opération. Donc ou gagne des précautions normales pour prendre. Tout garçon qui pas gagner aucun problème physique capable de faire vasectomie hein, d'après docteur Michel Labrec, expert dans l'Université Laval. Après vasectomie, hein, patient doit continuer à mettre capote rivé 3 mois. Pour éviter tout risque. Il y a des contre-indications qui peuvent être physiques. Alors si à l'examen, par exemple, on trouve des pathologies, des anormes, des problèmes, des anomalies au niveau des organes génitaux, ça peut contre-indiquer une vasectomie. Il peut aussi avoir des contre-indications si la personne a des problèmes de coagulation sanguine, parce que c'est une chirurgie. Donc ces éléments-là sont importants. Mais les plus grandes contre-indications viennent de l'incertitude de l'homme à ne plus avoir d'enfant parce que c'est une opération qu'on doit considérer comme permanente.
Or, il est bien important de faire le counseling et que la personne prenne une décision éclairée de dire, quand on fait la vasectomie, c'est parce qu'on a décidé de ne plus avoir d'enfant pour le restant de sa vie. Vasectomie, hein, c'est une formule. Mon patron qu'on est ici en Haïti, dans sa gain pour à contraception. C'est pour famille, à travers financement, il y a un programme FP 2020 qui a fait service ça dans le cadre d'un projet pilote sur vasectomie en Haïti. Merci Isaïe à tous. Voilà, amis téléspectateurs, nous avons observé un coup de pause dans le journal. Ça a été branché, nous avons tourné. Dans l'actualité internationale, l'ambassadeur américain dans l'ONU, Nikki Haley, menace l'autorité ville Syrie, a intervenu si l'ONU n'arrive pas à faire tout camp déposer des armes dans Ghouta orientale. Dans presque 3 semaines, 1200 civils déjà perdu la vie. Nous invitons à suivre un reportage. Dans le 23e jour d'assaut sur Ghouta orientale, les États-Unis ont demandé une autre fois pour déposer des armes rapide pour 30 jours. L'ambassadeur américain, Nikki Haley menace le régime Bachar al-Assad là une intervention si le Conseil de sécurité des Nations Unies n'a pas agi dans ce sens en Syrie. Dans 3 semaines, presque 1200 civils ont déjà perdu la vie dans l'opération force régime là qui joint soutien à l'Iran russe là. Les États-Unis paraient pour la justice à temps nécessaire. Ce n'est pas où ça nous préférons, mais c'est l'in apprend. Et nous déjà prouvé ça. Et nous paraît pour nous recommencer. Plusieurs localités bandits rebelles ça encerclées depuis 2013 pour qu'elle y est là pas suspendre bombardé. Alors que la Turquie continue à coopération la contre milice Kidyona Afrin, qu'on a parlé la Turquie gagne contrôle 60% ville là. Victime dernière semaine ça dans pays Syrie vient ajouter sur 350 000 monde qui perdit la vie depuis 8 l'année d'après observatoire syrien droit monde. Toujours dans le pays Lord Bodlo, secrétaire de défense américain James Mattis arrivé dans Kaboul mardi 13 mars 2018 là. Visite surprise secrétaire américain réalisé dans objectif pour discuter avec Taliban yo qui voulait adresser yo à gouvernement afghan. Suivez l'autre reportage. I think it's kind of a synergistic effort. Visite secrétaire américain en Afghanistan venait 2 semaines après président afghan proposé pour tabler la paix dans Taliban. James Mattis voulait s'attourner en réalité dans le conflit qui gagne en pays depuis 17 l'année. Président afghan Ashraf Ghani mandé Taliban yo pour gagner la paix sous toutes conditions, mais qui pour paraître clair pour Taliban yo. Ça qui poussé yo fait appel à pays États-Unis pour discuter avec représentant qui dans Qatar yo. L'Assemblée Taliban yo pas bail aucun crédit à gouvernement afghan dans dossier attaque yo. Ça qui mené yon tir à les mené vini sous attaque qui était fait jeudi passé à dans nos pays ya. Ça qui était la cause 7 soldats perdit la vie avec 6 policiers. Dans le dossier sport, football, ASC bat FICA week-end qui s'est passé dans le parc Saint-Victor dans la 5e journée championnat national première division. Et puis à l'étranger, tennis, Venus Williams éliminé Serena Williams dans 16e de finale, tournoi Indian Wells qui a fait dans la Californie. Nous invitons à suivre. 5e journée, c'est ouverture championnat national football première division. T'es marqué par premier derby cap pour la saison, FICA qui t'a pris sur ASC. Dimanche 11 mars 2018 là dans parc Saint-Victor Cap-Haïtien. Dans l'occasion, en pile monde t'a fait déplacement pour suivre rencontre là. ASC grâce à un penalty qui est tiré par Dani Camille, t'a marqué seul goal match là dans 4e minute. Malgré quelques changements qui étaient faits dans deuxième mi-temps, dans l'équipe FICA avec entrée Luciano Adema et Stanley Bossius qui t'a porté en plus sur plan offensif pour Verre Jonio, rien pas de changé. Vieux Coq Capoua qui t'a bien défendu, t'a quimbé jusqu'à coup de sifflet final là pour faire première victoire sous Colomb Blanc depuis 2016 et tout passer de 6e à 3e place classement avec 10 points, même force point avec premier à Cosmopolite Sportif Club. Tout l'autre résultat, 5e journée, Don Bosco dominé Tempête 3 goal à 0, Baltimore, Calerison Club Haïtien 1 goal à 0, Cavalli Batrial Hop 1 à 0, Cosmopolite avec Valencia fait match 0 à 0, AS Sud-Est perdu la Cali, Akaye Batli 1 à 0, Wanamé Tressin Gonaïf 0 à 0, AS Fimbalet Petit Guap Football Club 1 à 1. Après 5e journée, 6 équipes qui sont bien classées, c'est Cosmopolite Delma 10 points, Baltimore 2e 10 points, ASC 3e 10 points, AS Fimbalet 4e 8 points, Akaye FC 5e 8 points, 6e Valencia 8 points.
président de la commission frontalière avec défense nationale a lancé un SOS by gouvernement pour faire intervention sur une situation difficile qu'a développée sous frontière dans un zone sapitre avec Pédernal. Selon le député Belange Pierre, Dominicain a couru des Haïtiens qui vivent dans la zone Sayo. Président public là, Jovenel Moïse fait une visite supervision samedi dimanche passé à la construction d'un barrage hydroélectrique sur rivière Marion qui trouvait dans nord-est pays. À l'étranger, secrétaire défense américain James Mattis arrivé dans Kaboul mardi 13 mars 2018 là. Visite surprise secrétaire américain réalisé dans objectif pour discuter avec Taliban yo qui voulait adresser yo à gouvernement afghan. Et puis dans page sport football, ASC bat FICA week-end qui s'est passé à Port Saint-Victor dans la 4-5e journée championnat national première division 1. Et bien voilà, amis téléspectateurs, c'est la journal La Boute pour jeudi. Merci à tout le monde qui t'a suivi, journal ça. Nous invitons à être branché Télévision Nationale d'Haïti pour suivre cette programmation. Rendez-vous avec Salle des Nouvelles, c'est à 7h pour Téléjournal. Bonsoir tout le monde.